Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une expérience pour mesurer le niveau d'absorption sonore des matériaux. Par exemple, quand vous êtes chez vous, quand votre fenêtre est ouverte, vous pouvez entendre le bruit de la rue, les camions qui passent, les gens qui bavardent, etc. Lorsque vous fermez la fenêtre, le son est atténué. Donc, nous allons tester aujourd'hui au lycée plusieurs matériaux pour voir lesquels ont une meilleure absorption sonore. Donc, première expérience, on va tester le niveau sonore sans matériau entre notre haut-parleur et notre sonomètre. La deuxième sera avec du polystyrène, puis avec du bois, puis du verre et enfin du carton. Donc pour cela, nous allons choisir une fréquence de 400 Hz. Nous avons ici donc un générateur basse fréquence GBF qui alimente un haut-parleur et ici nous avons un sonomètre qui mesure le niveau d'intensité acoustique, en décibels bien sûr. Donc pour avoir toutes les mesures à partir de la même base, nous allons régler l'amplitude pour avoir à peu près à 15-20 cm notre sonomètre du haut-parleur, un niveau d'intensité acoustique de 80 décibels. Bien sûr, pour faire les mesures, il ne faut qu'il n'y ait aucun autre bruit que celui du haut-parleur dans la pièce. Vous voyez, quand je parle, le niveau d'intensité acoustique est modifié. La première expérience, donc sans rien, on avait 80 décibels. On passe ensuite au polystyrène. Maintenant, refaire l'expérience en plaçant un morceau de bois entre le haut-parleur et le sonomètre. Soixante-dix-huit pile. Maintenant, il va faire avec le morceau de verre 77,1. Donc, grâce à ça, on peut remarquer que selon le matériau utilisé, les propriétés d'absorption sont différentes. Donc, parmi tous ces matériaux,